Portrait. J'ai été déconcentré. Portrait de Ruelle. Bonjour Julien Mercier. Bonjour Léa. Merci d'être là en tant que directeur technique du phare. Ça fait plaisir. Tu es directeur technique depuis la pandémie. Ouais, avec nous. Plein dans la pandémie. Bien, en fait, tu es venu avant, mais comme technicien bénévole. Voilà. Pourquoi tu as décidé de devenir directeur technique au phare? Parce que je trouvais que vous étiez des gens sympathiques, puis j'ai trouvé que c'était un super beau festival. L'ambiance dans les ruelles que vous amenez était fabuleuse, fait que ça me tentait de m'impliquer. Bien, on est chanceux parce que tu as sauvé beaucoup de choses par ta flexibilité. J'essaie. Qu'est-ce que tu aimes dans l'ambiance des ruelles? Bien, c'est comme une grosse fête de quartier, tout le monde se réunit dans les ruelles, ça implique les voisins, c'est plein de shows qui s'enchaînent, en tout cas, c'est vraiment festif. Tu aurais un souvenir à nous raconter du phare? Je dirais que le show de Blue Jeans Bleu avec la ruelle pactée de monde, puis devoir se préparer à faire un show, puis moi qui essaie de me faufiler entre les gens pour aller allumer les lumières, parce qu'à l'époque, on avait les lumières qu'on allumait avec un petit switch à côté du trépied. Fait qu'il fallait comme que je me faufile pour aller allumer les lumières. Je dirais que ça m'a pris un bon, je pense, 10 minutes de traverser la ruelle. Dans le monde? Dans le monde. À devoir faire excusez. Mais ça a été un succès. Ça a été super beau. C'était ma première expérience. Je suis encore technicien bénévole à ce moment-là. Fait que ça a donné le ton là, à ce que ça pouvait être le phare. Puis en ce moment, on est dans la ruelle de ton enfance. Oui. Toi, t'as vraiment grandi dans la ruelle. J'ai grandi ici. Je suis arrivé ici, j'avais 10 ans, je pense. Puis qu'est-ce qui a changé? 9-10 ans. Il y avait zéro famille quand je suis arrivé. On était la seule famille à peu près. Puis là, depuis, c'est que ça des familles. Là, fait que ça a beaucoup évolué. C'est devenu une ruelle verte ici. C'était pas ça quand j'étais jeune. Ça s'est fait dans les 10 dernières années, la ruelle verte ici. Fait que ça s'est beaucoup embelli, je dirais. Puis si tu avais un mot pour décrire les ruelles, ce serait quoi? Rassembleur. Ça rassemble toutes les familles de la ruelle, puis tous les enfants qui jouent ensemble, puis les parents qui se parlent, qui se découvrent par leurs enfants qui jouent ensemble. C'est comme un village. C'est ça. Tout le monde se finit par se connaître. Ben merci, Julien. C'est ça qui est ça. Merci à toi. Regarde, tu l'as fait. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour une autre capsule de Portrait de Ruelle.